Donc, match à sens unique lors du dernier match de la journée du 17 mai 2011, lors de la première édition du bal. L'Union sportive monastirienne s'est largement imposée sur la Gendarmerie nationale basketball club du Madagascar avec un score de NBA 113 à 66. Dès le début du match, Monastir a mis en marche son rouleau compresseur et ont développé un basketball très moderne, alternant jeux rapides et attaques placées bien équilibrées entre leur jeu intérieur et leur jeu extérieur. Il n'y avait pas photo, Monastir a dominé sur tous les aspects du jeu. Une motion d'honneur quand même pour JNBC qui, malgré la supériorité de leur adversaire, n'ont pas baissé les bras. Et à noter aussi la bonne performance du joueur Eli Randriana Bionona, qui quand même marque 26 points. Donc, fort de leurs joueurs internationaux, et surtout des joueurs cadres et très expérimentés, à l'image de Redouane Slimane, auteur de 13 points, et Makram Ben Romden, auteur de 23 points, ben, Monastir a montré ses prétentions et ses ambitions dans ce tournoi et s'affiche comme un sérieux candidat et même un sérieux favori de cette première édition du bal.